Salut à toutes et à tous, dans le cadre de notre projet, la promotion de la Ligue Pays de Loire de Karaté Discipline Associée, on est invité à la Coupe de la Ligue Honneur, organisée par le club de Sécam et la Ligue Pays de Loire. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 9 ans, je viens du club de Laval. J'ai gagné, je suis content. C'est la première médaille d'or régionale, même la première médaille régionale, je crois. Je suis content. Je m'appelle Lola, j'ai 9 ans, je suis arrivée première et je suis du Fontenay Karaté Shotokan. Pierre Valenti, responsable des jeunes du club Sécam à Saint-Michel-Chef-Chef. Pierre, alors une présentation de votre club qui organise pour la première fois un championnat régional, c'est ça, c'est cela ? Donc c'est Sécam, un club de karaté assez récent dans la région. On nous a permis plusieurs fois d'organiser des compétitions, mais au niveau régional c'est la première fois. Et je remercie tout particulièrement la mairie pour les locaux qu'elle nous prête. Alors la compétition que vous organisez en ce moment, c'est quoi l'objectif du club et l'objectif général du projet ? L'objectif, c'est faire découvrir notre club. Et également, on a deux arbitres qui sont passés au niveau national. Et ça permet également aux jeunes arbitres de pouvoir également arbitrer dans des compétitions. Fabrice Difala, responsable d'arbitrage de la Ligue Pays de Loire. Fabrice. Donc oui, Fabrice Difala, responsable régional de l'arbitrage. J'ai pris cette responsabilité depuis 2 ans. Et la première année, c'était un petit peu plus une observation. Et là, petit à petit, je m'intéresse un petit peu plus à la formation. On a donc eu deux arbitres nationaux qui ont décroché leur titre cette année, plus 2 autres qui vont tenter de le décrocher également en mai et avril. Voilà, et aujourd'hui, on a deux examens bien différents. Le concours des jeunes arbitres, où on a une dizaine de jeunes qui vont essayer de décrocher eux également leur billet au niveau national, et l'examen régional d'arbitrage pour les plus expérimentés qui veulent décrocher leur titre d'arbitre régional.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Houli, je suis membre du Fontenay Karaté Shotokan. Ça va faire 3 ans que je fais de l'arbitrage maintenant. Et donc aujourd'hui, je passe le concours national, le concours des jeunes arbitres au niveau de la région. Et pour aller passer après le concours national à Paris lors de la Coupe de France Kata et de la Coupe de France Combat Benjamin. Donc j'ai choisi parce que ça m'a plu déjà. Je voulais découvrir l'autre facette du karaté parce que je suis compétiteur combat, je fais du combat. Et ça m'a tout de suite plu, j'étais embarqué dedans. Et... Bonjour, je m'appelle Pauline Paco, je suis au club Kenzen à Saint-Père-en-Ray et je suis arbitre départementale et j'espère être prise pour les nationales. J'ai remarqué que la Ligue s'intéresse beaucoup à l'arbitrage et surtout depuis le jeune âge des enfants et garçons-filles, hein. Il y a une vraie parité au sein de la Ligue. Alors c'est pas simplement la Ligue, hein. Ça descend au niveau, ça vient du niveau national. Là. C'est une volonté nationale. Voilà. Il y a une nouvelle équipe là, nationale là, qui s'est intéressée de plus près à l'arbitrage des jeunes et du coup qui nous a donné tout un tas de billes pour faire en sorte de développer un petit peu cette pratique chez les jeunes parce que dans beaucoup de sports, les jeunes arbitrent et en karaté, pas encore tellement. Donc du coup, là, les départements et les ligues là, vont avoir comme mission de développer cet aspect de l'arbitre chez les plus jeunes. Avec moi Mehdi, nouvellement arbitre national. Mehdi, félicitations pour ton projet. Et alors un petit mot sur cette nouvelle, on va dire, mission. Là, on a passé l'examen national le 7 janvier. Donc notre mission maintenant, ça va être d'accompagner les arbitres régionaux et départementaux afin de les former aux techniques de l'arbitrage. C'est arbitre combat. Arbitre comité, oui. Arbitre B comité national. Pourquoi ce choix d'être arbitre de combat ? Le combat, ça m'a toujours attiré. Donc j'ai fait pas mal de compétitions dans ma jeunesse. Pourquoi tu n'es pas encore vieux, mon ami ? Oui, non, mais j'ai 33 ans. À 33 ans, voilà, on lève le pied au niveau des compétitions. Et avec nos projets professionnels à côté, on n'a plus le temps de faire de la compétition. Donc moi, je me suis investi dans l'arbitrage. Je suis responsable de l'arbitrage du département du Maine-et-Loire. Et voilà quoi, donc c'est une nouvelle mission qui arrive à nous et on va essayer de la mener à bien. En tout cas, félicitations, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue Pays de Loire, pour les jeunes et pour mieux arbitrer, mieux structurer la Ligue niveau arbitrage. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas seul, Mehdi. Oui, il y a Céline aussi qui est passée nationale en même temps que moi. D'accord. On va appeler Céline du coup. Céline. C'est bien parce qu'il y a une parité dans la Ligue Pays de Loire de karaté. Céline, félicitations pour ce projet, comme Mehdi. Alors, c'est quoi ta volonté, c'est quoi ton ambition dans le monde d'arbitrage ? Un peu pour rejoindre la question de Mehdi sur l'arbitrage, accompagner les régionaux, remonter la Ligue Pays de Loire au niveau national pour qu'on en ait pas mal quand même parce que le niveau avait baissé ces dernières années. Nous, notre projet, c'est de l'augmenter au niveau national et surtout aussi emmener les femmes au niveau national, parce que pour l'instant, on n'est que deux au niveau des Pays de Loire, Laetitia Perron et moi-même. Et du coup, on espère par la suite qu'on va encourager les filles. Voilà. Surtout que maintenant, avec les Jeux Olympiques, ça va être encore plus beau, plus intéressant et plus médiatisé. Les arbitres nationaux, si Paris 2024 est à Paris, on sera amené à organiser les Jeux Olympiques, tous les arbitres nationaux, donc c'est intéressant pour nous aussi. Je m'appelle Jonathan Leloge, je suis prof de karaté au Samouraï 2000 et au Karaté Club de Loué. Et je suis avec Lisée Apio qui vient de gagner sa finale en Benjamin moins de 30, qui est au Karaté Club de Loué, qui est une des meilleures compétitrices du club et qui vient de gagner son billet pour les France. Très très belle finale, 9-0, voilà, rien à dire. J'ai 11 ans, puis je suis content d'avoir gagné la finale. Moi c'est Erwan Gandon, 5e Dan, je suis directeur technique du 44. Et là je suis là en tant que coach pour mon club, le Trignac Karaté Shotokan. Donc on ne présente pas beaucoup de monde, on présente nos meilleurs éléments. Et c'est surtout pour eux l'occasion de forger un peu la main, d'enchaîner des combats. Et puis de se confronter à la réalité du tatami. «
Tsuki Karate Club entraîné par Christophe. Christophe, alors félicitations pour ton champion. Bonjour, alors. Merci bien. Un petit mot sur le petit champion. Il a fait une petite finale avec moi, une petite notion de distance encore à travailler, mais ça c'est le travail qu'on fait au club en général. Alors Odaï, félicitations pour ta finale. J'ai vu un petit déplacement. Mawashigiri, c'est ça? Il y a eu du Mawashi, il y a eu du Uramawashi. Okay. Uramawashi plutôt. C'était une finale un peu compliquée, mais pas vraiment. Je suis plutôt contente d'avoir passé premier et d'être qualifiée à la Coupe de France. Un président ravi, une grande journée réussie encore aujourd'hui pour la Ligue des Pays de Loire et Discipline Associée. Nous sommes à Saint-Michel-Chef-Chef en Loire-Atlantique pour une coupe honneur dans la catégorie pupille Benjamin. Nous avons eu ce matin les katas avec une belle participation, un très bon niveau technique. Cet après-midi les combats avec 293 compétiteurs, donc plus de compétiteurs en kumité, ce qu'on appelle, qu'en technique, mais c'est tout à fait normal, hein, il y a plus de catégories de poids. Donc nos jeunes, les deux premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la Coupe de France. Hein. Donc en kata, ça va se dérouler à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et pour les compétiteurs combat, ça se déroulera donc à Clermont-Ferrand. Voilà, donc là, on sera bien représenté. Dans ce championnat, le club de Laval Karaté, avec moi, un jeune entraîneur, mais surtout champion du monde junior. Alors, présente-toi pour le public de Boxing Mac TV. Alors j'ai commencé à Laval Karaté 53, maintenant je coach les petits, après je suis passé au Samouraï 2000 au Mans, j'ai fait champion du monde junior. Champion du monde junior, c'était quand? C'était l'année dernière à Jakarta en Indonésie. Combat? En combat, ouais, junior moins de 55. Voilà, champion du monde junior, ça fait plaisir. Alors, entraîneur, tu le pratiques depuis toujours, depuis quand? Tu arrives à alterner entre compétition et animation, entraînement des jeunes? J'ai commencé à 7 ans. Là, je suis au Pôle France de karaté. Alors, j'ai un peu de mal à venir les entraîner, mais quand il y a des compétitions, je suis là pour coacher. D'accord. Alors, aujourd'hui, parlons un peu aujourd'hui de tes compétiteurs. Alors, mon petit frère, il est en finale. Et il y a un autre karatéka, Kobe, qui va passer. Il a passé plusieurs tours pour l'instant. Après, il y a tous les petits qui vont passer, les pupilles. Il y a beaucoup de monde encore. Du coup, c'est plutôt positif votre participation aujourd'hui? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça montre qu'il y a du monde encore. Prochaine compétition, tu vois, maintenant? Alors là, ça va être sûrement l'Open de Rotterdam. Yes, Hollande. C'est quelle date? C'est dans... c'est en mars, je crois. Okay. Écoute, félicitations pour ton parcours. Bonne continuation, espérons ramener une médaille, que tu ramènes une médaille de l'Open. J'espère. Yes. Ouais, Alexandre, responsable du club Taïmin Karaté Club de Guérande, pas loin de Saint-Nazaire. Alors là, on vient d'avoir une troisième place, donc on aspirait mieux, mais voilà, c'est une bonne troisième place. Après, on a des compétiteurs qui débutent, qui apprennent un petit peu la compétition régionale. Donc là, pour eux, c'est encore un moyen de s'entraîner, de voir à peu près où ils en sont. Bon, ça n'a pas forcément bien marché, mais bon, ils sont en progrès, donc c'est ça qui est le plus important. Alors, sur la Ligue des Pays de Loire, nous avons un pôle élite qui est le Samouraï 2000, qui est un club élite qui fait parcours du parcours d'excellence sportive, principalement pour les minimes cadets juniors seniors. Hein. Autrement, nous avons principalement quelques clubs un peu phares de la Ligue qui ont une vocation de compétition. Hein. On peut citer Fontenay Karaté, Saint-Père-en-Ré, Saint-Nazaire, Tsuki Karaté, Angers, Laval Karaté 53, avec un maillage sur le territoire assez important. On peut citer aussi Luçon, pour oublier personne, et Chantonnay. Donc chacun a un petit peu ses spécificités, soit plutôt combat que kata, puis il y a des clubs qui font les deux. Voilà. Génial. La politique de la Ligue, formation, arbitrage, formation entraîneur. Et j'ai remarqué qu'il y a de la parité également chez vous, Franck. Tout à fait. C'est une... Quand j'ai pris la tête de la région en 2014, il me paraissait essentiel de permettre aux féminines d'accéder aux postes à responsabilité. Aujourd'hui, nous avons sur l'arbitrage beaucoup de jeunes demoiselles, donc j'en suis ravi. La Ligue valorise nos jeunes arbitres parce que c'est notre avenir. Aujourd'hui, la Ligue, 11 000 licenciés, 35% de féminines, une vice-présidente,
des dames qui sont au comité directeur. On a des dames qui sont responsables de commission. Voilà, c'est vraiment une politique de développement, de valorisation et d'égalité. Parfait. En tout cas, merci Franck. Félicitations pour le résultat, pour la quantité également, la qualité. Et bonne continuation, Franck. Voilà. Merci. Je voulais simplement remercier la ville de Saint-Michel-Chachef qui nous a bénévolement et volontairement mis à disposition ce très beau gymnase, le complexe de la Vieudrie, où nous avons pu faire une belle compétition de qualité. Voilà. Merci à la ville de Saint-Michel-Chachef. Et